voilà, c'est un billard, hein, comme on a l'habitude de rencontrer en sélection, notamment quand on se déplace en France. Donc franchement, il y a tout pour faire une belle rencontre demain. J'avais déjà eu l'occasion de le voir quand on avait joué avec l'équipe de France. Et franchement, il est magnifique, les conditions sont optimales. Allez. Pour une deuxième sélection, j'en attendais pas mieux parce que on joue une grande nation, le Brésil, en plus en France devant 22 000 spectateurs. Il y avait ma famille en plus et on gagne ce match, donc c'est sûr que ce match-là, je suis pas prêt d'oublier. Oui, c'est toujours important d'avoir de nouvelles sélections, de montrer de quoi on est capable devant un grand public et devant le staff. Donc c'est sûr que c'est positif pour moi et pour la suite. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques ballons, c'est vrai, surtout au pied, donc j'ai pu voilà, m'exprimer un petit peu. On n'a pas été trop mis en danger puisqu'on a très bien défendu. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me retrouver face à des attaquantes internationales de cette envergure, même si à l'OL j'en côtoie beaucoup. C'est vrai que j'ai pris ça comme une grosse opportunité pour moi. J'étais très contente d'avoir du temps de jeu en sélection, ça me donne un peu plus d'expérience internationale et c'est tant mieux. J'ai pris tout ce qui m'arrivait de manière très positive et voilà, j'ai pris ça comme vraiment une chance, une grande chance, et sincèrement j'ai pris énormément de plaisir. Je suis rentrée sur la pelouse avec une grande envie de jouer et c'est ce qui a fait que j'étais en confiance et que je me suis sentie assez sereine durant le match. Celui-ci, il est officiel et il est qualificatif pour l'Euro 2017, donc on va l'aborder de bonne manière. On va surtout pas prendre de haut l'adversaire, même si il est plus petit par rapport à son classement FIFA. Mais ce match est d'autant important, voire plus, comme je le disais, et on va l'aborder de bonne manière pour qu'on finisse avec une victoire au bout. Je vous donne rendez-vous au MMA Arena à 21h pour France-Roumanie et on espère que vous viendrez nombreux nous supporter parce qu'on espère bien remporter ce match.